Alors moi en plus à la maison j'ai un vrai problème. C'est pas le style. Attends, c'est la merci. À la manger. Bonjour à tous, on est super content que vous ayez répondu présent à cette initiative de citoyens, de quelques citoyens de Saint-Brieuc. Et de Trégor, on est vraiment heureux, vous soyez tous là. Alors justement, on attend encore les quelques personnes qui doivent arriver. Et on vous propose de défiler dans Saint-Brieuc, on a un petit trajet, accompagné de musiciens d'ailleurs, pour participer à cette sensibilisation sur l'urgence dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors merci à tous d'être venus. Nous sommes ici donc pour chacun des raisons liées à la protection de notre écosystème, à la protection de la biosphère, c'est-à-dire du milieu essentiel à la survie de l'humanité et donc la survie de nos enfants. Nous sommes engagés dans ce mouvement d'abord pour des raisons factuelles. Le changement climatique est en cours. Le changement climatique est lié à notre consommation, en premier lieu la consommation d'énergie fossile. Voilà. La consommation d'énergie fossile, c'est 73% des émissions de gaz à effet de serre. Et puis tu peux tourner ton... Alors, dans notre après-midi, donc nous allons d'ici quelques minutes partir pour un défilé, une marche. Et puis, nous allons arriver donc sous les Halles, à la place du Chai. Et sur ce point d'arrivée, ce sera l'occasion de prise de parole par divers intervenants associatifs sur la ville de Saint-Brieuc et du département autour d'actions de sobriété énergétique. Par exemple, le déplacement en vélo, par exemple, la réparation d'objets. Donc voilà, également, nous avons... Et nous allons faire circuler une pétition que vous pouvez tous signer et que vous pourrez tous signer à l'arrivée. L'objectif de cette pétition est de demander à nos collectivités, le département, les communes, d'une part, de se désengager des énergies fossiles, c'est-à-dire de demander à leurs banques, à leurs partenaires financiers, de ne plus investir dans les énergies fossiles, mais aussi pour leur fonctionnement, d'adopter un mode de fonctionnement sobre en énergie, c'est-à-dire l'isolation des logements, c'est-à-dire des déplacements qui émettent peu de gaz à effet de serre. Et également par rapport à cela, le troisième volet, l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, le quart de nos émissions de gaz à effet de serre sont liées au transport. Dans le transport, 60% ce sont les voitures des particuliers. Nous avons tous besoin de nos voitures, mais demain nous allons devoir réduire. Et pour réduire, évidemment, il faut que les infrastructures soient aménagées pour
des transports en commun, des pistes cyclables. Évidemment aussi, il y aura des solutions techniques, comme peut-être des voitures électriques, peut-être des vélos électriques. En attendant, il faut aussi se préparer et donc que notre territoire soit préparé. Thank you.
faire la fin. Hein?